implantée à Val-de-Reuil depuis 10 ans, l'entreprise Valois s'est largement développée au fil des années. Aujourd'hui, 42 personnes travaillent pour la société Rolivaloise d'aménagement paysager. Alors chez Valois, c'est diversifié. On est une entreprise paysagiste, mais on est multi-activité, c'est-à-dire qu'on fait de l'entretien d'espaces verts, de la création d'espaces verts, on fait de l'élagage, bûcheronnage, on crée des aires de jeu, on assemble les jeux techniques, on fait les sols souples. On a aussi une grosse activité maçonnerie, c'est-à-dire qu'on pose de la brique, du pavé, on fait des bétons qualitatifs. Et puis on se développe également dans le génie écologique, donc c'est tous les travaux pour limiter les inondations ou les fronts de mer qui se dégradent, etc. Nous travaillons actuellement sur la dalle de Val-de-Reuil. Nous avons le gros marché d'entretien des espaces publics également. Nous avons réalisé les espaces verts du BHNS. Une entreprise au métier varié qui a séduit Victorien, l'un des premiers salariés. Ça fait 9 ans que je suis ici, sur l'agence de Val-de-Reuil. Mutation, je suis venu ici parce que j'ai été muté. Avant, j'étais sur les chantiers, en création. Maintenant, je suis à la cour. Je décharge les camions, je gère les livraisons, j'aide les conducteurs de travaux. Tout simplement, c'est ça, nettoyage, entretien du dépôt. Oui, ça fait assez longtemps que je suis dans l'entreprise. J'ai commencé avec un apprentissage, puis du coup ça m'a plu, puis je suis resté, quoi. C'est tout simplement. Avec la transition énergétique et les nouvelles techniques écologiques, l'entreprise est en constante évolution. Et nous, on cherche des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire qui aiment le travail bien fait, qui aiment qu'on respecte les techniques et le respect aussi du collectif, puisqu'en fait, dans cette entreprise, c'est le collectif qui paye, c'est pas l'individuel. Alors après, on recrute aussi des gens qui débutent dans le métier, ça, on n'a pas de souci, on sait faire, de tout âge. Alors actuellement, sur l'agence, ce qu'on recherche, c'est un chauffeur poids lourd, notamment pour utiliser les camions-grues ou pour emmener des engins sur des chantiers ou transporter de la terre ou des végétaux. On cherche également un chauffeur de mini-pelle, plutôt avec un bon niveau, puisqu'en fait on est sur du travail plutôt fin et pas sur du gros terrassement. Nous, ce qu'on cherche, c'est des gens plutôt méticuleux. Et puis après, on cherche des ouvriers maçons avec peu ou pas d'expérience. À partir du moment où les gens sont intéressés dans la maçonnerie, on peut aussi former.